L'entreprise contient, en fait, l'entreprise dispose de deux bâtiments. L'un en face de carrousel et une annexe à environ 150 mètres. Parlant de l'accueil, nous avons été reçus au sein de l'entreprise le 2 août aux environs de 9h par le chef de rédaction qui nous a fait visiter les locaux, nous présenter les différentes installations de l'entreprise et les différentes sections où nous devions travailler, tout ceci pour pouvoir toucher tous les différents aspects de notre formation. Étant donné qu'en montant audiovisuel, nous faisons en même temps le cadrage, nous faisons le montage et le traitement du son. Bien. Merci. Je vais vous demander de permettre qu'on engage l'échange. Merci. Ok. Bon, là, on va vous faire. Je pense que nous, parce que. Moi, je vais m'occuper de la forme. Et il y a aussi beaucoup de fautes d'orthographe. Il faut toujours relire quand même le document, ou bien faire relire par quelqu'un. Envers la coordinateur, c'est encore plus indiqué là, vraiment, ici dans votre présentation, on ne dit absolument rien ici. Déjà que le logo même de l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage, c'est un peu les mêmes couleurs. Les remerciements, c'est bien, vous avez remercié pratiquement toute la famille, les parents, les amis, le reste. Les camarades de promotion, c'est toujours bien. Je vais dire qu'il y a une bonne nouvelle. Les photos d'orthographe, c'est tellement si je... Que votre rapport soit efficace. Essayez de vous appliquer, de mettre dans votre rapport toutes les connaissances, tout ce que vous avez appris, et même de vous présenter par les camarades du bureau type et tout le reste. Ok? Là, félicitations pour ce travail. Je voudrais demander d'abord pourquoi le choix de ce thème, pourquoi le traitement du son. Merci, Yann, m'avoir passé la parole. Si j'ai choisi ce thème, habituellement, parce que chez nous, les monteurs, on a tendance à négliger le son. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur la prise d'image, le montage, le confort. Donc pendant notre stage, le technicien en son, il était tellement ouvert. Il était tellement ouvert et j'en ai passé beaucoup plus de temps avec lui. Du coup, j'ai été touché par la façon dont il travaillait. Je me suis dit pourquoi pas m'approfondir dans ce domaine. Donc au-delà du montage, la prise d'image, le son a beaucoup attiré mon attention. D'accord, bon. Tu parles de traitement de son en audiovisuel, cas de la télé. Je vais poser la même question qu'on a posée à ton camarade tout à l'heure. Quelle est la différence, quelle est la spécificité du traitement de son en télé, la situation de téléprotection? Merci de me passer la parole, monsieur. Le son est un domaine assez vaste. Lorsqu'on parle de son, on peut faire allusion aux enregistrements de son en studio de musique. On peut traiter le son sur les prises de son sur les plateaux de tournage de télévision, de films. On peut gérer le son en radio et aussi le son en télé. Bon, la particularité de la télé est le fait que tout se fait en régie. Tout se fait en régie et partant de la capture du son jusqu'à la mise en ordre. Raison pour laquelle je me suis
beaucoup plus penché sur le cadre de la télé où j'étais appelé à faire stage. Bien, je vois ici à la fin du travail. Je vois qu'à un moment donné, vous avez dû continuer le travail sur Adobe Premiere Pro. Je ne comprends pas très bien pourquoi, parce que vous parlez de son, après on se retrouve sur Adobe Premiere Pro. Mais là n'est pas ma préoccupation. Ce que j'aimerais en fait comprendre, c'est le processus. Comment on part après le traitement du son sur un logiciel que vous appelez Adobe Audition ou un autre logiciel, puisque le montage vidéo auquel ce son appartient va être effectué dans un autre logiciel. Comment on part donc du logiciel de traitement pour le logiciel de montage? Bon, notons déjà que lorsque nous sommes arrivés en stage, nous avons travaillé sur les trois différents aspects. Nous avons commencé par le montage sur le banc de montage de la télévision. Dans ce secteur, il était question pour nous de préparer les différents éléments qui devraient être diffusés lors des magazines et des journaux télévisés. Ensuite, nous avons travaillé en studio. Là également, il était question pour nous de faire des cadrages, appliquer les différents balais de plans qui nous ont été enseignés à l'école. Et ensuite, nous avons travaillé en régie. Bon, ici, le logiciel Adobe Premiere Pro intervient lorsque nous étions au banc de montage. Le son enregistré parfois dans des interviews sur le terrain ou bien enregistré en studio comme voix de fond pour être habillé par la suite par les différentes images qui sont prises sur le terrain sont traitées à travers Premiere Pro, à travers Adobe Audition, pardon. Audition nous permet d'enlever les bruits, enlever les imperfections qui peuvent donner une mauvaise qualité de son. Et ensuite, nous l'habillons avec les différents éléments qui sont pris sur le terrain. Et après, on le renvoie à la régie qui est diffusée en direct lors du journal télévisé. Donc, c'est à ce moment que Adobe Audition intervient. Oui. Maintenant, ma question était comment on part d'Adobe Audition pour arriver sur le premier cours. Quel est le processus? Qu'est-ce qu'on fait techniquement? D'accord, merci monsieur. En fait, une fois que le son est importé dans notre logiciel Adobe Audition, à travers la fenêtre fil, nous l'importons, nous traitons le son. Une fois que le son est traité, le son est enregistré sur un fichier numérique, sur un fichier WAV. Nous l'enregistrons dans un support où toujours dans notre machine sur laquelle nous sommes en train de travailler. Une fois que le son est traité et enregistré sur le fichier numérique, nous l'importons à Adobe Premiere Pro. Et c'est de là que le son est réimporté sous forme de fichier numérique et nous le plaçons sur la fenêtre de la timeline. Et par la suite, c'est nous qui faisons un habillage de ce son par les différents les éléments vidéo ou photo ou quoi diffuser. Ok. Pourquoi le choix spécifique? Parce que tu as donné une extension particulière WAV. Pourquoi le choix de cette extension-là plutôt que d'une autre extension qu'on peut appeler MP3? Déjà, l'extension WAV garde toute la texture du son. Et le fichier, l'autre fichier que vous avez évoqué est plus léger. C'est plus léger que le fichier WAV. Lorsque le son est exporté avec l'extension WAV, il peut être retraité pour autre chose ou bien il peut être diffusé directement. Bon, tout à l'heure tu as dit que défendre, bon, pas pour te défendre, c'est juste ça. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il fallait exporter le son d'Adobe Audition pour le réimporter dans le premier pot. Bien. Juste pour ajouter de l'eau à ton moulin, il est possible de traiter le son directement sur Adobe Premiere Pro. Comment? Je peux importer ce son directement dans Adobe Premiere Pro. Je fais un clic droit à partir de ma timeline. Je mets modifier.
voilà, à travers Adobe Audition. Donc le logiciel, sans que je n'ai importé le son par Adobe Audition, va ouvrir Adobe Audition, me permettre de traiter le son, et là je n'ai plus besoin de l'exporter ou le réimporter. Un autre chemin, on peut traiter le son à partir d'Adobe Audition et par lien dynamique l'envoyer directement à Adobe Premiere Pro sans avoir besoin de l'exporter pour réimporter par la suite. Voilà. Et pour finir juste, je vois à la page 21, la première image là, je vois des, suite à timeline, je vois des images qui sont en rouge. Ça signifie quoi? Les images sur la timeline signifient offline. C'est lorsque nous avons stocké les roches dans un fichier dans notre ordinateur et par la suite on a dû déplacer ces éléments de roches. Et lorsqu'on revient réouvrir le logiciel Premiere Pro, le logiciel va afficher les éléments en rouge, ce qui signifie offline. Et pour récupérer ces éléments, il va falloir aller préciser la position exacte de ces éléments pour pouvoir les réouvrir. Bon, parce que moi je vois qu'un montage, comme pour un montage, si on a des éléments rouges comme ça, c'est qu'ils sont pas importants. Donc ils n'ont plus besoin d'être là, par exemple. On peut les effacer tout simplement pour réduire la charge sur la carte, par exemple. Parce que le logiciel continue de considérer que ça existe, que c'est là. Et ça fait faire un travail supplémentaire à l'ordinateur. Bon, je vous remercie, monsieur Miguel. Merci. Amis et connaissances, bonjour.